Le rêve, c'est quelque chose de très très riche. C'est aussi porteur d'autres mondes. Nous rêver à la victoire, en fait, nous rêver à du beau jeu, mais l'éventail n'est pas immense non plus. Donc, c'est une grande pauvreté de contenu, le fameux rationalisme cartésien qui fonde une certaine identité française. Eh bien, à la base, Descartes, c'est un rêveur. Voilà. C'est un rêveur qui devient rationaliste, carré, mais il y a l'impulsion du rêve. Donc le contenu est immense. Alors que lorsqu'on parle de rêve au sujet de foot, de contenu, on n'en trouve pas. Alors il faudrait employer un autre mot que rêve.